Oh là là, on est monté avec un taxi, les gars. Je suis à deux doigts de vomir. Je vous jure, ça faisait longtemps que ça m'est... Ouais, de l'eau, s'il te plaît. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ah, il y en a pas là. Si, quand même. Ça m'arrive jamais de vouloir vomir en voiture. Je crois qu'il s'est cru dans le taxi. Il roulait comme un calu, mais genre des coups. J'ai cru que j'allais vomir. Bon allez, on est venu, je vais vous montrer, trop canon. Les gars, on a les petits chanteurs derrière, juste là, et on a le petit punch avec la vue comme ça. C'est juste dingue. On n'est pas trop bien là, penché comme jamais. T'es penché toi? Très bon. Bon, on est venu se poser un petit peu, on a un petit peu de temps, du coup je me suis mis dans le lit, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est normal la vue sur ça, un cœur d'amour, tiens. Chers, il va y avoir marqué courbature, je suis fatiguée. Couverture limitée sur ce snap évidemment, c'est sûr. Tiens, un cœur d'amour dans ton bain, monsieur. Là, je suis magnifique. Ah, tu es beau comme un cœur. Oh là là, que ça fait du bien. On a marché toute la journée non-stop dans le froid. Parce qu'il fait un froid de canard. Mais c'était trop bien. C'est vrai, il fait pas trop froid. Ouais, c'est vrai. Non, ça va. Comparé quand c'était fait New York. Ouais, New York, quand c'était gelé. T'es vraiment un cœur d'amour. Regardez dans ce magnifique restaurant où on a booké. On est encore à Dubaï, parce qu'ici il faut tout booker très longtemps avant, vu sur tous les monuments, toutes les cathédrales. On voit pas bien parce qu'il y a les reflets, mais c'est la vue est incroyable, il y en a partout. Cette ville est de dingue, c'est trop beau. Bon allez, à nous. Bon anniversaire. Merci. J'étais en train de dire à mon mari, j'espère que je vais mieux dormir qu'hier. J'ai passé une nuit atroce, horrible. Genre horrible, je me suis réveillée en pleurs, mon mari m'a réveillée, il m'a dit calme-toi chérie, c'est un cauchemar. Et je faisais que des cauchemars et tout. J'ai dit bon, bah, j'espère que je vais passer une meilleure nuit qu'hier. On regarde, c'était la pleine lune. C'est dingue d'être sujette à la pleine lune comme ça. Dès que c'est la pleine lune, je passe des nuits horribles. Genre ça joue trop sur moi. On a mangé là-haut, en haut de ce building, super joli. Et la vue comme ça, et là on part direction Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, c'est pareil, voilà. Ouais, j'étais pas sûre en le disant, mais putain. Ben heureusement, c'est un agent immobilier, ça n'a rien à voir. Mais, oui, mais ça passe. Ça passe, ouais. En même temps, c'est vrai que ça s'appelle vraiment Stéphane Plaza, donc... Ouais, c'est pareil. Bref, on va là-bas, à pied. Par contre, c'est trop bien de marcher le soir. Alors, pour être honnête avec vous, alors je ne sais pas si c'est qu'un ressenti ou pas, on se sent plutôt en sécurité. Voilà, c'est une ville où on se sent plutôt safe. Après, je sais pas, on n'y habite pas, donc est-ce que ça allait vraiment? On ne sait jamais. Ça a l'air. Ouais, tu le sens des fois quand tu dans ouais, des patinards, genre, il y a des têtes cheloues ou des trucs. Ouais, là non, là ça va, tu marches et tu ne te retournes pas. Ouais, ça va, ça. T'as pas peur, tu marches bien, tu es... Du peu qu'on a vu, j'ai pas... Du peu qu'on a vu, ça va. Du coup, on peut croquer le monde à pied.
Bonjour tout le monde, ce matin on a déjeuné ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une queue de 1 km, queue de 1 heure encore. Sachez que ici tous les cafés, genre Café Central, Café Sacher, Café Demel, je sais pas quoi, tous les vieux cafés, il y a une heure de queue. Donc les gars, si vous venez à Vienne, pensez à réserver longtemps avant. Vraiment. Genre longtemps, des mois avant genre. Non, pas du tout. Si, mais... si, des mois avant, je te dis que là, le prochain rendez-vous, c'est genre mi-janvier. Oui, c'est vrai, là on est fin décembre, le prochain rendez-vous, c'est janvier, quand on a regardé sur la carte. Combien de temps il fallait attendre, juste pour voir par curiosité. Ouais, il y avait encore pas mal de jours d'attente. Bref, si vous venez à Vienne, le principal, c'est de tout réserver avant. Voilà. Donc, moi, je vous ai mis tous les vieux cafés dans mes stories. Tu veux dire, on n'avait pas réservé. Celui-là, c'était bon. On en a un autre. Ce soir, on en a un autre qu'on a réservé. Pareil, là où il y avait très longtemps d'attente. On a rendez-vous, nous, à 21h. Enfin, bref. Réservé les gars. En tout cas, c'était très sympa. On a goûté que des spécialités viennoises, genre les cafés viennois. Cette fois-ci, on s'est mis dans le thème, c'était très sympa. Et là, on part en croisière. On part en bateau sur la Danube. Ah, et bien sûr, je vais vous mettre des petites photos et vidéos du café Sacher là. Sacher, je sais pas comment on dit. Le café en question. Et là, nous sommes venus nous faire un petit déjeuner comme ça dans un bateau au bord de Danube. Voilà. Et ce resto en haut, c'est là où on a mangé hier. Voilà, spécialité Wiener Schnitzel. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment la spécialité d'ici. Bon. On a fini la balade en bateau sur la Danube, je sais pas comment on dit, le Danube. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Non, mon mari l'a réservé sur Get a Ticket, vous savez, l'application là où on a pris la patinoire, tu prends tout. Et en fait, il a fait une réservation de un tour de bateau avec un café, je sais pas quoi. Et on n'a pas, on savait pas trop ce qu'il y avait d'inclus. Et là, d'un coup, il nous emmène une espèce de Schnitzel là, le gros truc que je vous ai montré juste avant. Sauf qu'on venait de déjeuner, nous. Et on regarde la fille et tout, on lui dit, vous êtes sûre et tout, c'est pour nous, ça. Elle dit, oui, oui, c'est inclus dans votre package et tout. On dit, ok, putain, bah, évidemment, on ne peut pas gaspiller. Genre, vraiment, le gaspillage, c'est interdit. Et on commence à taper des crocs dans ce Schnitzel. Et là, d'un coup, il y a le boss, il arrive, il nous dit, non, mais c'était pas pour vous et tout. Je dis, ben, bah, on n'en sait rien. Je dis, on a demandé à votre serveuse, elle nous a dit, c'était pour nous, c'était inclus. Il a dit, ben, bah, non, c'était pas inclus et tout. Je dis, ben, bah, qu'est-ce qu'on en sait, nous. On lui a dit en plus que. C'est pas pour nous. Bref, il était pas très content. On a mangé ce Schnitzel et là je suis tellement full que j'ai mal au ventre, je mange plus jusqu'à après demain. Regardez l'architecture de partout autour. C'est tout comme ça Vienne. Que des trucs trop beaux partout. Et encore un marché de Noël et encore un punch. Il est très bon celui-là.